Allez, bon visionnage. Hello guys, on se retrouve pour mon 9e vlog. Ça commence à faire un petit paquet de vlogs quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, je crois que ça fait peut-être 3 semaines, un mois. Désolée. Là, ce vlog va être très cool, j'ai très hâte. Aujourd'hui, comme je suis très con, au lieu de juste faire mon sac pour demain, Angoulême, au Pinard, tout le tralala, je me suis dit, bah non, je vais faire une bêtise capillaire avant de partir. Il va être 16h, je suis toujours pas partie pour mon op. Le temps de pause, etc., je vais faire mon sac. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça? À tout moment, j'ai une sale gueule. J'en ai marre avec moi, c'est que quand j'ai une idée, il faut que je la fasse. Sinon, j'endors pas, tu vois. C'est vraiment un souci. Là, j'ai deux missions. Première mission, aller chercher des colos plus colos. Je sais pas comment ça va me coûter cette merde, mais j'ai très peur. Deuxième mission, changer mon septum. Donc pareil, ça va me coûter un peu. Super. Et donc mettre un autre anneau. Elle me remporte. Mission done. I changed my septum. J'ai beaucoup. Mission accomplie. Maintenant, faut que ça marche. Croise les doigts. J'ai reçu une notification Pinterest, donc là, je vais chercher mon collègue. Okay, je mets les gants. Je sais que je suis chelou de temps en temps. Les gars, il y a un petit souci, non? En gros, je suis en train de refaire ma chambre, comme beaucoup le savent. Et j'ai un petit espace avec ma télé, ma play et tout. Désolée, c'est un bordel parce que du coup je fais mon sac pour demain. Et du coup il y a l'amour ouf et je me suis dit je vais mettre mes films préférés à côté. Tu vois, ça fera un mur avec tous mes films préf. Donc j'ai acheté l'affiche de Sajom, film sous côté. J'adore ce film. Et c'est pas le gars, je pense qu'il s'est dit j'arrive pas à vendre. Du coup le gars de Vinted, il m'a donné le grand format aussi. Mais c'est trop bizarre d'avoir en deux fois le truc. Je sais pas quoi faire. Alice, qu'est-ce que j'en fais du gros? Je l'accroche, putain, je sais pas. Allez. Update, je suis en train de faire poser la colo et je pense que ça va être plutôt pas mal. Juste, il va falloir que j'hydrate bien mes cheveux. Et ce qui est cool avec la colo que j'ai pris, c'est qu'ils mettent du beurre de karité. Donc ça, c'est pépite. Et surtout, il va falloir que je fasse des shampoings violets et tout. Donc je disais, ouais, j'ai fait mon tote bag. Donc tote bag, c'est le petit sac que j'aurai pour le concert. Donc avec la pochette du vinyle de Opitape, enfin Hortensia. Et un marqueur noir et une photo que j'avais faite de lui au chantier des Franco en février dernier que j'adore et je me suis dit comme ça si jamais il a le temps, la mission c'est qu'il les signe, je serais extrêmement honorée s'il le fait. Je crois que c'est déjà pas mal. Bon les gars, j'ai bientôt enlevé ça de mon crâne et sinon j'ai papoté avec Isma. Donc Ismatricule, c'est un des musiciens qui joue avec Opinard sur scène que j'adore. C'est lui qui m'a fait l'emoji. J'ai trop le marre parce que du coup je vais le montrer avec le caca qui est à côté. Je me suis brûlée à Halloween, du coup j'ai une blessure de guerre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai discuté avec Isma et du coup j'ai demandé s'il sortait, tu sais, après le concert pour papoter et tout. Il m'a dit oui, donc j'aurai peut-être Isma et Opie dans mon vlog. J'ai extrêmement hâte de découvrir s'ils seront dans mon vlog. J'ai extrêmement hâte juste de vivre cette expérience. C'est une des premières fois que je vais en concert tout seul. Peut-être que comme pour les Franco, je vais me faire des potes, donc ça va pas. Mais bref, du coup, c'est fort probable que ma photo et mon vinyle soient signés, et ça me fait plaisir. Et bref, j'ai trop hâte, quoi. Ok, ça me paraît plutôt sympa, juste il y a les fameuses mèches un peu bleutées qui ressortent. Avant ça ressortait un peu plus blond, là ça ressort vraiment un peu bleu, bleu pastel bizarre. Donc en vrai ça va, juste je pense que je vais finir vraiment roux, alors que j'ai fait une colo, quoi. Tous les cas là, ils sont plutôt pas mal, donc ça va. Bref, bisous. Hello, deuxième journée du vlog. On est parti. Aujourd'hui c'est le grand jour. J'ai bien hâte. J'essaie de me coiffer comme je peux. Bon, mis à part le fait que j'ai une coupe au bol, je pense que j'ai réussi pas mal à enlever les aiguilles. J'ai rien dit, il est encore là. J'ai une big coupe au bol. Je sais pas quoi faire de cette info. Sincèrement, je suis trop mitigée sur ma coupe là, mais en tout cas c'est mieux qu'avant. Mes sacs sont faits. Mon sac est fait. Mon sac est fait. J'ai trouvé une technique. Je pense que quand je vais arriver sur Angoulême, quand je vais arriver à l'hôtel, parce que là l'idée c'est de prendre mes trains. Dès que j'arrive sur Angoulême, direct à l'hôtel pour poser ma bébé valise.
et mon tote bag, de toute façon je l'aurai tout le temps avec moi parce que c'est mon sac pour le concert. Je me suis dit bref, dès que j'arrive à Angoulême, ça sur le crâne, comme ça j'ai pas les cheveux tout plats et j'ai un peu de swag. Comme star dessinée, elle tombe amoureuse d'un autre garçon. Bon guys, je viens d'arriver, genre tout juste là, j'ai rien vu. D'habitude, comme j'ai zéro thune et que c'est à moi de payer, je suis en auberge de jeunesse. Donc là, une vraie chambre, un lit de place. Une douche pour moi tout seul. Non mais genre tout est banger genre. J'ai juste mangé, essayé de monter les rushs que vous êtes en train de voir. Comme ça c'est fait. Et comme ça je vide mon appareil pour ce soir. Et ça va partir très très vite à la salle, hein, moi je vous le dis. Donc bref, j'ai trop trop hâte. Bisous. Les gars, le wifi marche mais avec mon ordi ça veut pas. Donc je ne peux pas bosser ou même vider ma carte SD, donc c'est chiant. Donc là il y a eu un gros quiproquo. Donc en fait j'ai pas d'accréditation pour ce soir. Donc bref, alors que j'envoie un mail d'urgence. Le truc c'est qu'on m'a dit va voir les musiciens, va les DM et tout. Du coup j'ai DM un musicien et ça me met fortement mal à l'aise. Encore quand c'est DM des labels, DM les salles directement, ça me va. Mais quand c'est DM les artistes directement, je trouve ça ultra gênant. J'ai eu mon accred, merci Sma, je pense pas que tu passeras par là, mais si jamais. Merci, vraiment. Merci infiniment. Et j'ai toujours peur de passer pour un gros casse-couille. Mais il m'a dit tout va bien, des stress et tout, donc je pense vraiment pas que ça allait déranger. Il m'a vraiment dit ça me dérange pas et tout, mais j'ai quand même peur. Pour inhaler le plaisir, inhaler le plaisir, réaliser mes désirs. Bonjour, je m'appelle Andrea. Ça va ou quoi? Là, c'est la deuxième fois qu'on se voit, cela dit. Ouais. Bienvenue. Angoulême. Bon, un bled j'ai peur finalement. J'essaie de faire un plan sympa, hein. Promis, je te mets en valeur. On s'est rencontrés grâce à MediaFest, au Free Music. Let's go. C'est trop bien. C'était un banger, c'était un sacré banger. Vraiment. Et là on se retrouve là, Angoulême. Dans un trou paumé finalement. Ouais. Bah en vrai de vrai, attends, c'était où Free Music? C'est à Montendre. Montendre, c'est un peu un trou paumé quand même. C'est vraiment. En fait, à chaque fois qu'on se capte, c'est dans les trous paumés. Vraiment. C'est pas un endroit, je sais pas, un peu normal, plus civilisé. Normal, finalement. Genre, oui, finalement. C'est pas grave, il y a Opinard ce soir. On va kiffer. On va te voir pendant tout le vlog à partir de maintenant. Review. C'était excellent. Et comment va ton ventre? Il va très mal. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et le petit gâteau, il était bon ou pas? Il était gavé bon, merci pour ce partage finalement. Il était gavé bon. Non, j'ai apprécié, merci. Du coup, comme j'ai mes accrètes, je peux rentrer tôt. Mais du coup, pas Andrea. Donc du coup j'attends Andrea, j'espère qu'elle va réussir à aller devant la scène. Bon, bref, t'as compris qu'elle va me suivre. Par logique, oui. Et à chaque fois que je vais quelque part ici, il y a toujours du Luther, donc j'adore. On est ensemble, ça y est. Enfin, bizarre cette phrase, mais bon, t'as compris. On touche la scène. On va lui arracher ça. Les groupies bizarres, touche ses pieds là, you. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On travaille. On n'est pas dans le... On n'est pas des groupies. Je suis un peu un groupie. Hein. Mais un groupie, elle si. Je viens d'apprendre un truc là par la dame ici. Comment ça, Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Raphaël Quenard sont à boycotter. Voilà, c'est tout ce que... les hommes. Les hommes. Attends, je crois qu'il y a que des hommes sur la liste. Tu sais qu'à chaque fois que quelqu'un dit les hommes, j'avais dire les hommes cis. Mais en fait non, même les trans ils sont... Ah oui, attends, comment il s'appelle? Je suis la seule exception. TikTok, là. Matt. Oui, Matt et Dessin. Ah bah, c'est tout dans le pseudo. Hein. Déjà, tout est dans le pseudo, ouais. Jean du Jardin. Jean du Jardin. Attends, je vais te capter aussi, là. Comment ça, du Jardin, elle fait quoi? Jean-Paul Rouve? Non. Non, fermez-la. Ça slide mon Instagram. Abonnez-vous à Maël sur Insta. Je fais cette tête. Andrea, en juin 2023, en grande période de passe blanche,
T'avais quel âge? J'allais avoir 17 ans. Voilà. J'étais en période de pause blanche. Et j'arrivais pas à faire de musique. Et on m'envoie un synthé, genre. On m'envoie une mélodie qui touche mon cœur directement. Et c'est la mélodie de Fly. C'est-à-dire la personne à la base de la chanson qui est Fly est juste ici présente. Est-ce qu'on peut faire un maximum? Ça me fait vraiment plaisir je sais même pas reconnaître. Mais ça me fait tellement plaisir de te voir. Et j'aimerais juste que sur ce son-là, de toute façon, tu vas voir la manière dont on l'a fait. Je pense que on pourra profiter à fond, mais une dernière fois, est-ce qu'on pourrait faire un maximum? Ouais, là, tu vas se quitter du avec cette chanson. Je crois que j'ai pas besoin de parler, vous avez vu les images vous-même. Et sachant que je vous ai montré une infime partie, une bébé partie de tout ce qui s'est passé. Déjà, j'ai pu papoter à l'arrache, mais j'ai papoté quand même avec Isma. J'ai pris des photos pour des gens du public. D'ailleurs, franchement, meilleur public que j'ai vu pour l'instant. Tous très respectueux, vraiment tous. Voilà, j'ai énormément papoté avec Opinard et avec du coup ma pote Andrea. Du coup, je pense que vous l'avez capté dans le vlog, je vous l'avais pas dit au début, j'avais complètement zappé aussi cette information alors que c'est trop une dinguerie. Du coup, ma pote Andrea, c'est elle qui a participé à l'instru du coup de Fly, un morceau de Opinard, et donc du coup il a enfin capté Andrea et c'est trop cool. Du coup ouais, c'était la première fois qu'ils se rencontraient, donc ils avaient plein de choses à se dire et c'était trop génial. Donc bref, on a beaucoup papoté. J'ai vraiment apprécié ce moment. Il a pris le temps du coup pour signer ma photo et mon vinyle, je vous montrerai. Mais du coup, c'était vraiment un moment agréable. C'était vraiment un moment super agréable. Il m'a lâché des dingueries, de grosses exclus. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, je veux pas niquer, ses projets et tout. Le concert était vraiment ouf. J'ai pas pu filmer, enfin, il me semble pas que du coup j'ai pris le réflexe de prendre ma cam, sachant que j'ai plus de stockage sur mon téléphone. J'ai trop le mort. Alors j'ai effacé Netflix, j'ai effacé toutes les applis, tu sais, qui prennent bien la place. J'ai tout effacé. Que nenni, ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu filmer le fameux feat Opi, Myra, des bisous. Que nenni. J'étais trop contente, j'ai checké Opi, j'ai fait un petit câlin. Non, tout était trop cool, j'ai pu montrer mes tatouages aussi. Donc ouais, ils étaient assez étonnés et tout, mais c'était trop cool. Non, franchement, je vous le dis, ça a été un des meilleurs concerts d'Opi que j'ai fait. D'ailleurs, il m'a demandé combien d'âge j'avais fait, j'ai pas su répondre. Je lui ai dit 4 ou 5. Et du coup, on a essayé d'énumérer les plusieurs fois où je suis venue et j'ai pas su. C'était ma 4e date. Et bientôt ma 5e. Demain, il fait Nantes. Et dans le train, j'avais une notif pour Nantes et je tombe en mode, oh my god, je veux y aller. Mais ça y est, je ferai la dose. Donc demain, ils sont sur Nantes, moi je rentre à la maison dormir.
Et si jamais des gens qui passent par là, merci. Voilà, je sais qu'il y a plein du coup de nouveaux, peut-être qui verront ce vlog, qui viennent de la foule d'Opinard peut-être. Salut. Vous étiez tous très très mimi, donc merci. J'étais très contente de faire votre rencontre, vraiment tous. Ce soir était vraiment beau. Et ouais, je crois que je suis pas prête d'oublier ce concert-là. Vraiment, ce concert-là, je vous le dis, que ce soit le public comme le concert en lui-même, c'était quelque chose. Donc franchement, Angoulême, festival bisous, je reviendrai probablement. J'ai adoré. Montrer mes acquisitions. J'avais ramené pas mal de trucs. Dosons. J'avais ramené mon vinyle. Donc déjà, signé. Donc ça, c'est carrément cool. Et en plus, pour Big Boss MJS. Même pas Maël. MJS. That's really crazy. Et ensuite, je sais pas. Andrea, elle lui a conseillé de faire ça. Elle a fait, allez, pour la vanne. Il a signé Poppy. Sur sa tête. Du coup, maintenant, ma photo, elle est pas folle. Et après, bon, ça, c'est pas signé parce que c'était après que je papote et tout, la copine qui signe mes trucs. Mais dans les toilettes, il y a des affiches. Enfin, des petits trucs, quoi, trop mignons. Et du coup, j'ai dit en vrai, putain, attends, j'ai le droit de prendre une affiche et tout. Et je me suis dit que je le gueule. Et c'est pas André, elle me fait, c'est quoi ta gueule, fais semblant d'aller aux toilettes et tu piques une affiche. Du coup. Piquer une affiche au pinard avec du coup Mira et Jean. Bref, j'ai très hâte de rentrer là. J'en ai marre. Je vais regarder Outer Banks et il faut que j'écoute le nouveau son de Dali. Je suis dans le train et j'ai ma place pour rentrer. Il est 22h. Pour Dali. Donc là, ça va être deux concerts dans la fin. Je sais pas comment ça va vous coûter, mais. One hour later. Il y a littéralement 2000 personnes devant moi. Et quand j'ai commencé cette liste d'attente là, il y avait 2900 personnes. Donc jamais de la vie assez à la Cigale ou au Trianon. Et là, ça descend assez vite en vrai. Donc je pense que c'est parce que c'est sold out. Vu la rapidité à laquelle j'ai été sur le site et que dès le début il a crash alors qu'on a été peu parce que du coup il avait balancé le lien en exclu dans le canal. Bah comme quoi ça servit à rien, voilà, donc j'ai trop le mort et je comprends pas pourquoi ils ont pas décalé la date de sortie de la billetterie quand ils ont vu que ça a crashé dès les premiers instants. J'ai jamais vu un site aussi guest de ma vie entière parce que vraiment on était même pas je pense 300 sur le site, ça a crash. Même si le site est très mimi, cela dit, ça a aucun rapport, mais c'est stylé. Mais ouais, du coup ça va me foutre sur une liste d'attente et 4000 personnes, donc je vais peut-être pas me plaindre d'être 1000, mais putain, non franchement j'ai trop le mort, j'ai jamais vu ça de ma vie, genre. Ah, vu la vitesse à laquelle les gens partent, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quand la page ouvre, c'est qu'il y a littéralement écrit, je pense, complet, voilà. Bon bah, c'est pas possible d'ajouter, donc c'est mort, voilà, c'est mort, c'est dead. Du coup, j'ai ma place pour la Cigale. Je vous explique pourquoi j'ai, enfin, comment j'ai eu ma place pour la Cigale. En fait, c'est le pack des deux places qui est sold out. Mais du coup, c'est pas les salles qui sont sold out. Donc, du coup, ce qui fait que les packs avec la Cigale tout seul, et, enfin, toute seule et le Trianon tout seul, on peut encore prendre des places. Mais du coup, le pack 2, avec un prix vraiment raisonnable, c'est pour ça que je pouvais me permettre de prendre les deux d'un coup, est sold out. Donc, du coup, ce qui fait que là, comme je dois prendre séparément, je n'ai pas assez d'argent. J'ai ma place pour la Cigale, mais pas le Trianon. Sachant que le Trianon, c'est genre... En vrai, j'aurais dû prendre le Trianon et pourquoi pas la Cigale avant, tu vois. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Les gars, comme j'ai ma place pour la Cigale, il a dit, ouais, vous avez des surprises et tout, on a rien.
Première surprise, je suis peut-être la seule d'ailleurs, je sais pas. Le clip de Tout va bien en avant-première. Incroyable, je trouve que c'est un mélange. Je crois que c'est NDI de Billie Eilish. You couldn't save me, but you can. Et passer avec des slow-mo et tout. Comment vous dire que je suis amoureux de Dali. D'accord, j'ai des sentiments pour ce monsieur. Donc là, je sais pas comment vous expliquer que... Waouh. Le ciel, mais tout est beau. Ouh. J'suis amoureux. Bref, je vous fais des bisous et merci d'avoir suivi le vlog.